En coup de cœur. President, please le be président. Seated. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Today the chamber continues to hear the remaining testimony of the current witness, that is Mr. Prum Samrun, and begins hearing testimony of another witness, that is to TCW 949. Mr. M. Hoy, please report Monsieur the attendance of the parties and other individuals at today's proceedings. Greffier. Mr. President, for today's proceedings, all parties discussed and present, except Counsel Kung Sam-un and Calvin Sander, who Calvin Sanders, will be a little bit late due to traffic congestion. Un peu de retard en raison des bouchons. Mr. Nguyen is present Monsieur in Nguyen the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. À son droit de participer dans le the waiver has been delivered le document to the a été remis à la chambre. The witness who is to conclude his testimony today, that is Mr. Bumsarun, is present in the courtroom. Dans le today we also have a reserved witness, namely to TCW 949. The witness confirms that to the best of his knowledge he has no relationship by blood or by law to any of the two accused. That is Nguyen and Kyu Sampon, or to any ainsi of the civil parties admitted in this case. Dans ce dossier. The witness will take an oath before the Iron Club statue this morning. La statue thank you. Du génie à la barre de fer ce matin. President, thank le you, président. Mr. Merci, Monsieur Amor. The chamber now decides la chambre the va maintenant se prononcer Nguyen sur la requête de Nguyen. The chamber has received effet, a waiver from Nguyen dated 9 document, date December 2015, which states that due to his health, headache, back pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his rights to participate in and be present at 9 December 2015 dans la salle d'audience pour les audiences du 9 décembre 2015, having et ce, afin d'assurer sa participation à des audiences ultérieures. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin des CETC qui a examiné Nguyen Chi le 9 December décembre 2015. Dans son rapport, which notes le médecin souligne Nguyen Chi has chronic back pain and dizziness when he sits for long, lorsqu'il demeure assis and recommends trop longtemps. That the chamber grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. La cellule temporaire du based tribunal. On the above information, par ces motifs, and to rule 815 of the ECCC internal rules, the chamber grants la chambre fait droit à la demande to de Nguyen Chi pour suivre les débats à distance. From the holding cell downstairs, depuis la cellule temporaire, via audiovisual means. The chamber instructs the AV junior personnel to lead the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Chi can follow. This applies to the whole day. Toute la journée. And before I hand the floor avant de laisser la to the defense teams to put the question to the witness, I first hand the floor to the bench as some judges would like to put some questions to the bench to the witness. And Judge Laverne, you have the floor. Monsieur le juge Laverne, vous avez la parole. Oui, yes, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le témoin. J'aimerais vous poser quelques questions de suivi par rapport aux questions qui vous ont été posées hier. Tout d'abord, je voudrais que l'on revienne sur les différents sites, les différents lieux où se sont produits des exécutions. Vous nous avez parlé hier d'un lieu situé à Thiol, located Tatrong. In Thul Tatrong. Et vous avez dit que c'était sur ce lieu que vous aviez vu des cadavres bodies, de personnes bodies vietnamiennes. Of Vietnamese people. Vous avez également parlé d'un lieu où il y avait une termitière. Where there was a termite mound. Mr. President, excuse me for interrupting. Maître Copé, je pense que vous aurez la parole tout à l'heure. Si vous voulez poser des questions de confirmation, vous aurez tout le loisir de le faire. Je vous prie de ne pas m'interrompre. Yep.
But Mr. President, he never said he saw bodies of Vietnamese people. So that's an inadequate false summary. C'est un mauvais résumé. Eh bien, on va lui demander ce qu'il en est. We will ask him about this. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit, monsieur le témoin, hier, en ce qui concerne le site de Thul Ta Trong? Regarding Thul Ta Trong. Est-ce que sur ce site, vous avez vu des cadavres? Et si oui, and if you saw bodies, qui étaient les gens qui sont morts à Thul Ta Trong? Who were the people who died at Thul Ta Trong? The bodies were of those of the children. C'était when I tended the water buffaloes nearby. Que j'ai vu lorsque je m'occupais des buffles non loin de là. Walked past the area. Et je suis passé par là. Et ces enfants étaient des enfants cambodgiens, vietnamiens, or Vietnamese? Qui étaient-ils? Who were they? I could not say because je I could not recognize them. Je n'ai pas pu les reconnaître. I could not say whether they were Khmer or Vietnamese. Je ne saurais dire s'ils étaient Khmer ou Vietnam. Vous avez parlé également d'un lieu où il y avait une termitière. Est-ce que le lieu où il y avait une termitière était le lieu de Thul Ta Trong ou est-ce que c'était un autre lieu? There was a termite mound at Thul Ta Trong. Il y avait une termitière à Thul Ta Trong. When I tended the water buffaloes nearby, I saw the decomposing bodies. Des buffles, j'ai vu les corps en décomposition. Vous avez indiqué hier que vous avez. Avez-vous assisté à des arrestations de Vietnamiens? Et si oui, savez-vous où les personnes arrêtées ont été conduites? I never saw the arrest. Je n'ai jamais été témoin d'arrestation. I did not know about that. Je n'en savais rien. I did not dare to ask them. Je n'ai pas osé poser la question. Any arrest, au sujet as I was de poser deux questions. Mindful of my own life. Au sujet des arrestations, je m'occupe. Je craignais pour ma vie. I tried to work as best as et I could travailler since I was afraid of being accused of being lazy. M'accuse d'être and paresseux. If that is the case, I would be walked up the et white si stairs. Cela avait été le cas, on m'aurait fait monter dans les escaliers blancs. Civil part, witness, please listen to the question carefully and respond only to the limit of what is being asked of you. And there is no need for you to make any lengthy commentary to that question. En réponse à une question. Please only provide a necessary response to each strict question. Nécessaire lorsque vous répondez à des questions. Monsieur le témoin, je vais relire, Witness, vos déclarations que vous avez faites devant le bureau des co-juges d'instruction. C'est le document E3/5187 à la page 2 en français, page 2 en anglais et page 2 en Khmer. Page 2 in Khmer as well. En 1976, les Vietnamiens étaient très recherchés par les Khmer Rouges. Krak, commandant du 1er bataillon, m'a interrogé s'il y avait des Vietnamiens dans mon groupe. S'il y en avait, il fallait les rapporter aux supérieurs pour action. Il n'y avait aucun Vietnamien dans mon bataillon. Par contre, il y en avait environ 20 dans le deuxième bataillon. J'ai vu nouer puis exécuter
ces Vietnamiens à Thul Thatrong, à côté de la montagne de Koi. Ils étaient amenés puis exécutés par environ 5 soldats, tous enfants des cadres Khmer Rouge. Question. Comment saviez-vous qu'ils étaient conduits pour être exécutés ? Réponse. Je me suis discrètement dirigé à l'endroit où ils exécutaient les Vietnamiens. J'y ai vu des cadavres, des femmes et des enfants dont la tête possédait des traces des coups de latte. Le sang y était omniprésent. Les crânes des enfants étaient fracassés, résultant probablement d'un choc contre un arbre. Après cet événement, je n'ai plus retrouvé aucun Vietnamien. Monsieur, est-ce que vous pouvez simplement nous dire, puisque je note que ça ne correspond pas à ce que vous nous dites ce matin, où est la vérité ? Est-ce que c'est ce que vous nous dites ce matin, ou est-ce que c'est ce que vous avez dit devant les co-juges d'instruction ? It is a lengthy question. Votre question est bien longue. I cannot recall it. Je ne m'en souviens pas. Old now, and je suis vieux maintenant. I stand by my previous statement. Je maintiens ce que j'ai dit auparavant. Donc, quand vous dites « je maintiens ce que j'ai dit auparavant », est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit devant le bureau des co-juges d'instruction quand vous avez été entendu, c'était en 2008, c'est vrai qu'il y a déjà longtemps, est-ce que c'est cela que vous maintenez ? Yes. Oui. Vietnam. It happened several years ago, and I cannot recall them all. Assez longtemps, je ne peux pas me souvenir de tout. Vous avez parlé d'enfants. About children. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces enfants et nous dire quel âge, selon vous, avaient les enfants qui avaient arrêter ces Vietnamiens. That is to say, the children who had arrested these Vietnamese people. They were young children. They were about 8 or 9 years old, and when they were carrying guns, actually the cannon of the guns touched the ground. Et un point tel que le canon du fusil touchait le sol. I could say, as I did not dare to look et c'est at them, tout ce que je peux vous dire, car je n'ai pas osé les regarder, les observer. Et je sais qu'ils arrêtaient des gens et qu'ils les emmenaient pour les tuer. The situation at the time was pretty strict. We could not do anything liberally. Nous ne pouvions pas faire des choses comme bon nous semblait. Il fallait simplement s'occuper de ses propres affaires. Comment est-ce que vous savez que ces enfants tuaient des personnes arrêtées ? Comment le savez-vous ? Of course, when they arrested people, they took them away and killed them. Il est bien évident que lorsqu'ils arrêtaient des gens, ils les emmenaient pour les tuer. Because those who were arrested did not return. Ceux qui avaient été arrêtés ne revenaient jamais. Once people were arrested and their hands tied behind their back, les mains dans they le dos, were taken away and they never returned. Et jamais ne réapparaissaient. Hier, on a évoqué un autre lieu, un lieu où apparemment étaient emmenés d'anciens militaires de l'ONNOL. Je vais prononcer ce mot, peut-être qu'il ne sera pas bien prononcé, mais je crois qu'on a parlé du lieu de Ho-Puk-Muon. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a eu des
des exécutions où on a trouvé des cadavres sur ce lieu. Et où est situé ce lieu? And where is this place located? Bong Mon was to the west of my village where soldiers were sent there. Que les soldats avaient été envoyés. They actually were brought to my village. Ils ont été emmenés for the ranking officers, they were taken away. Les officiers du rang ont été emmenés et tués à la montagne de Chopbam. A soldier and his wife were shot dead at the Okropu mountain near my village. Près de mon village. And when I walked through that area, they had already died. Et quand je suis allé là, but ils étaient déjà morts. We had to bury them because otherwise the stench would be too strong for the villagers. L'odeur aurait été beaucoup trop forte pour les villageois. Maître Pik Ang hier vous a posé des questions sur un autre lieu apparemment qui se situait au sud de la montagne Kui et est un lieu où il y avait un petit ruisseau, Otoch. Est-ce qu'il s'agit d'un lieu qui est différent des lieux dont on a parlé jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes allé là-bas et est-ce que vous avez vu des cadavres aussi là-bas? I only saw people who starved to death. J'ai simplement vu des gens qui mouraient de faim. Je parle ici des gens and qui avaient été évacués de Pailin. Did not have anything to eat, ils n'avaient and rien they à manger. To death. Et ils sont morts de faim. Many of them were brought in. Beaucoup d'entre eux and then they were sent to Otoy. Emmenés, ensuite avaient été envoyés à Otoy. Hier et ce matin aussi, vous avez parlé des escaliers blancs. Est-ce que ces escaliers blancs sont les escaliers qui conduisaient à la pagode de Wat Kirirom? Et est-ce que la pagode de Wat Kirirom était un lieu d'exécution? Et est-ce que vous avez été là-bas? Yes, the white stairs are led to Kirirom. Les escaliers blancs. Actually, I only went to see it after the regime fell. Qu'après la chute du régime. There was a cave there, and people were killed in that cave. Ils ont tué des gens dans cette grotte. And the cave was half full. Et la grotte était à moitié pleine. Est-ce que pendant la période du Kampuchea démocratique, vous avez vu des gens être arrêtés et emmenés à Wat Kirirom? No, I did not. Non. I only saw the dead body of the j'ai simplement vu le that corps is my de previous commander, qui était mon commandant who was killed avant, to the east et of, qui avait été tué rather to the north au nord of the mountain. De la montagne. Alors j'aimerais maintenant que now, nous parlions d'un autre sujet qui est un petit peu différent, topic, celui des centres de détention. That is to say the detention centers. Hier, me semble-t-il, on a parlé d'un centre de détention de personnes qui étaient détenues à Chanhwasdong. Et il y a également, semble-t-il, un autre centre de détention qui était proche du village de Samnan. Est-ce que Chanhwasdong et le village de Samnan, ce sont les mêmes lieux de détention, ou est-ce que ce sont des choses différentes? The same detention centers, or are these two different places? Không đồng thế.
Je parle ici de la commune de Kadaum. And there was a valley between the two mountains, and nearby there were wide stairs leading to Wat Kirirom. Et il y avait des escaliers blancs qui menaient à Wat Kirirom. Et est-ce qu'il y avait un endroit où les gens étaient détenus sur la commune de Kadaum? In Kadaum commune. Ou au village de Samnan. Est-ce que vous avez entendu parler d'un lieu de détention au village de Samnan? Detention place in a Samnan village. There was a Samnan village. Il y avait un village du nom de Samnan. However, there was no detention center. People were provisionally detained les gens at the base of the wide stairs. Provisoire à la base there were, des escaliers chains and cuffs remaining there. And later on, they would be killed and suite, dropped into the cave. Dans la grotte. And the location where they were provisionally detained and the cave was not that far. Il n'y avait pas une énorme distance qui séparait l'endroit où ils étaient détenus de façon temporaire. Et la grotte. Avez-vous entendu parler d'un endroit où on détenait des gens qui aurait été situé au village de Louy? Louy, L-O-U-I. L-O-U-I. Louy. Louy. Louy village. Dans Poum Louy, Naïnade. I am not familiar with the Louy village. Je ne connais pas ce village de Louy. I have not heard about this village. Je n'ai pas entendu parler de ce village. Un témoin dont il a été fait état également hier, monsieur Im An, Mr. Im An, moine, who is a monk, a fait des déclarations concernant une dame qui s'appelait grand-mère Nai. A woman by the name N-A-E. Of Yei Nai. C'est l'audition donc de Im An, so this document was E3/7737 ERN en anglais 00-27-41-60 ERN français 00-22-61-56 et ERN en Khmer 00-19-78-83. Est-ce que vous avez entendu parler d'une dame qui s'appelait grand-mère Nei? Non. Je ne connais personne du nom de Nei. J'ai deux autres sujets à aborder avec vous. Il s'agit tout d'abord de l'arrivée de cadres venant de la région du sud-ouest. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur le témoin, d'avoir vu des cadres venant du sud-ouest venir dans votre région? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? I did not know any Southwest cadre. Je n'ai pas connu de cadre du Sud-Ouest. I only knew about the soldiers in the company and battalion where I belong. Les soldats rattachés à mon bataillon et à ma compagnie. Est-ce qu'en 1977, il y a eu des arrestations parmi les cadres de la commune, du secteur, du district? Est-ce que ces cadres ont été remplacés par d'autres personnes? Are you referring to soldiers? Parlez-vous de soldats? No, Tachin, who came to replace Tacham as a commune chief. En tant que chef de commune. Uh,
Est-ce qu'on vous a dit pourquoi Ta Cheng avait remplacé Ta Cham? Ils ont dit que Ta Cham avait été remplacé par Ta Cheng. Ça, j'ai bien compris, monsieur, mais est-ce que vous avez assisté à des réunions où on a accusé Ta Cham ou d'autres cadres d'être des traîtres? Oui. We were called to a meeting. Ils ont été convoqués à une réunion. And then the man whose name I cannot recall now was accused of being traitors. A été accusé d'être des traîtres. A roof beam. Ils ont été tués. So all the soldiers in the battalions in the area were called. Donc les soldats des bataillons dans la région avaient été convoqués à participer à la réunion, et ces deux personnes accusées de trahison ont été tuées. À coup de bâton. Recall the name of the person was Ta Dao. Et je me souviens qu'il y avait Ta Dao. Child. Et son enfant. Nous avons été convoqués à une réunion. We would be witnessing the smashing of the de l'exécution people, de ces traîtres, de ces personnes, de ces révoltés. C'est ce que nous ont dit. C'est ce qu'ils nous ont dit. Je me trompe peut-être, mais il me semble que hier, vous avez dit que Ta Dao avait été considéré comme traître parce qu'il était aussi un ancien soldat du régime de Lon Nol. He had been a serviceman in the Lon Nol regime. Yesterday I said that he concealed a Et c'est pourquoi il avait été exécuté. C'est ce que j'ai dit hier dans ma déposition. D'accord. Et cette arme, c'était l'arme qu'il avait quand il était soldat de Lon Nol. The weapon he used when he was a Lon Nol soldier. Of course, they don't know when he conceals the weapons, since his house was far from mine. Ne sais pas quand il a caché son arme, sa maison était loin de la mienne. Et par la suite, ils ont découvert qu'il avait caché une arme. And he was smashed. Et c'est pourquoi il a été exécuté, écrasé. Bien. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur, si dans votre village, dans votre commune, il y avait des chams qui vivaient près des Khmer? There were chams living side by side with the Khmer. No, there was no cham. However, in my battalion, there were some Chinese people who lived and worked with us. Here I refer to the first battalion. And there were no chams. Je vous remercie beaucoup, monsieur le témoin, pour toutes ces précisions. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. For all these clarifications, I have no further questions for the witness. Thank you, Judge Laverne. I now hand the floor to the defense teams. First, to the co-counsel for Nunchie to put questions to this witness. You have the floor, counsel. Good morning, Mr. Witness. Let me start by asking you a few follow-up questions in relation to Cham. Do you know, what do you know about him other than what you just told him? Do you know anything about his functions within the Northwest Zone? Quoi que ce soit au sujet de ses fonctions au sein de la zone Nord-Ouest?
Instruct us to build them at Kampin Pui. L'instruction de construire un barrage à Kampin Pui. He had a house. Il avait une maison there. Là-bas. Later on, he disappeared. Plus tard, il a disparu. I had knowledge where he disappeared to, and then Ta Chen came in to replace him. Je n'ai pas d'informations sur là où il a disparu, et ensuite c'est Ta Chen qui est venu le remplacer. And that's what I knew. Voilà ce que je savais. Do you know whether there was any other savez-vous s'il y avait leading cadre at the Kampong Pui Dam who was called Cham, or was he the only Cham, leading person ou alors était-ce la seule at the dam called Ta Cham que l'on appelait Ta Cham sur le barrage? Ta Cham rot bat tau. Ta Cham escaped. And then Ta Chen came to replace him. That's what I knew. Do you know whether Ta Chen, in a previous function, was deputy chief of economy in the northwest zone? Dans le cadre de ses fonctions précédentes. I didn't know where. He went to. Je ne savais pas où il était allé. I only knew that he disappeared. Je savais seulement qu'il avait disparu. I did not dare to je n'ai ask pas osé people about his disappearance. Poser la question aux gens au sujet de sa disparition. Because it was a dictatorial regime, so parce I was not there to ask about this. Et donc je n'étais pas là pour poser des questions. Just focus on my work of building the dam. Tout simplement me contenter de me concentrer. Maybe sur my question wasn't clear. But before he went to the dam, was he chief or deputy chief of economic affairs in the northwest zone? Dans la zone nord-ouest. Cham was the deputy district secretariat. Était and after his secrétaire he went du district, away, and then Ta Chen came après to replace parti, him. Ta Chen est venu le remplacer. I only knew about that he disappeared. Je sais seulement qu'il and avait did not disparu, dare to ask people about his disappearance. Poser la question au sujet de sa disparition. I understand. Do you know je his comprends. Full name? Connaissez-vous son nom complet? Or let me ask it differently. Was his full name Chin Cham? Est-ce que son nom complet était Chin Cham? I did not know about his full name. I just know only his name Cham. 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 That's what people call him. C'est ainsi que les gens l'appelaient. And you talk about his disappearance and him being replaced by Cheng. Do you know savez-vous in what year en quelle année Ta Cham was replaced by Ta Cham Cheng? A été remplacé what par year Cheng? And what month? Quelle année, quel mois? I could not recall that. Je ne m'en souviens pas. Could it have been January 1978? Est-ce possible que cela se soit passé en janvier 1978? Yeah, it was about that time. Réponse oui, c'était à peu près à cette époque. Have you ever heard of a Sector 5 chief? Ta Hun, chef du secteur 5. I did not know the person named Ta Hun. Je ne connaissais pas Ta Hun. I did not know him. Je ne connaissais pas cette personne. That's no problem, Mr. Witness. Let me now go back to some questions about you. I understand that
at one point in time before 1975, you were a soldier in the army of the Khmer Republic, and that you were in battalion 164. That's correct, isn't it? C'est exact, n'est-ce pas? Réponse, oui, yes, c'est exact. That's correct, battalion 164. Battalion 164. Do you recall what year you were enlisted in the army of the Khmer Republic? En quelle année c'était que vous avez été recruté dans l'armée de la République Khmer? I spent 1 year in the army. J'ai passé une année à l'armée. And then I was sent to Thailand. Et ensuite j'ai été envoyé en Thaïlande. To study Thai language pour for étudier le one thai year. Pendant un an. 1 year, and then 3 months later I was sent Et to bataillon. Après j'ai été envoyé au bataillon. When you were sent to study Thai. Was that when you were still a military? Étiez-vous encore militaire? In other words, was it the army that sent you en d'autres termes, est-ce que c'est to l'armée go qui vous a study Thai? Envoyé étudier le Thai? Bon. Yes. Réponse, oui. When I came back from Thailand, I Lorsque came to join my battalion 164. After j'ai 3 months of 164 après 3 mois de formation. Well, is my understanding correct that you had been in the army a year, then you were sent to study Thai for a year, then you came back to rejoin your battalion and was there for another 3 months. So in total you were in the army 2 years and 3 months? À l'armée pendant deux ans et 3 mois. Ah. Yes. Oui. Répondez. And after those last 3 months. Et au terme de notre couple de ces 3 derniers mois. Was it? Was the zone then liberated? Was it then 17 April 75? Or did something happen after those 3 months? Il s'est passé autre chose après ces 3 mois. When I was in the army, I was sent to Swai Forest for one, and I was there for 1 year. J'y suis resté pendant un an. And then it was liberated, and then I changed my uniform to civilian clothes and walked into the village. Que j'ai changé contre des vêtements. So all in all, you were in the army about 3.5 years. Is that correct? Maître Kobo, donc au total, vous étiez à l'armée pendant 3 ans et demi. Est-ce exact? Yes, that's correct. Question. When you got enlisted in the army, you were also living in Krapyung Chung village. Is that correct? Vous habitiez également dans le village de Krapyung Chung, c'est exact? Krapyung Chung, not Krapyung Chung. I want to emphasize Krapyung Chung. Sorry for my mispronunciation. I did indeed try to say Krapyung Chung. But that's where you were when you first joined the Khmer Republic Army, correct? L'armée républicaine Khmer, c'est exact? Yes. Krapyung was my home village. C'était mon village. Is it correct to say that in April 1975, most people in Krapyung Chung village knew that you
had been in the Lon-Nol army for about 3.5 years. Cela faisait 3 ans et demi que vous étiez dans l'armée de Lon-Nol. Est-ce exact de dire cela? Yes, that's correct. So the cadres from quote-unquote Khmer Rouge also knew in 75 that you had been in the army, is that correct? Khmer Rouge savait donc également que vous étiez dans l'armée, est-ce exact? Yes. Oui. C'est exact. That's correct. In your statement to the investigators, you said parce that after 75 cadres were monitoring you. Vous is that correct? C'est exact. Yes, that's réponse. Correct. Oui, c'est exact. They investigate, they follow soldiers. Ils suivaient les soldats. And they kept me because et I was hard working. Parce que je travaillais dur. I worked hard both daytime and je nighttime and de never complained about the hard work. And that's et why they kept me de alive. C'est pour cela qu'ils m'ont gardé en vie. And you also stated in your WRI E3/5187 on English page 0027-4179, Khmer 0019-7918, French 0027-4186. They had me make a biography once a year for the battalion chairman to send to upper echelon. End of quote. Is that what you said? Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Yes, they instructed me to make a biography once a year. Une fois par an une biographie. That's correct. C'est exact. Do you know any other members from Battalion 164? Connaissez-vous d'autres membres du bataillon 164? Who also in April 75 en avril 1975 left the army, ont quitté l'armée, made their biographies and were monitored just like you? Ont rédigé des biographies et ont également été surveillés à votre instar. They follow only me, ils but m'ont suivi they que moi, kept moi. Me to work because I was good at working. Ils m'ont gardé au travail parce que j'étais bon au travail. Question. Because I was so hard working, that's why je I survived the regime. C'est grâce à cela que j'ai survécu au régime. But do you know any other Lon-Nol soldiers mais connaissez-vous d'autres soldats de Lon-Nol who after they left the army were working in the rice fields avoir quitté in your district or sector dans les rizières, dans votre district ou dans votre secteur? So every soldier were required to make chaque biographies. A dû rédiger une biographie. But my unit chief, mais mon chef d'unité, name Uen, Uen était son nom, was killed at Chen Lok Kadaung. A été tué à Chen Lok Kadaung. But they kept me alive to, mais moi, ils m'ont gardé to, be, en vie. To be useful working. Do you know whether in April 75 Lon-Nol soldiers were required to assemble at
Wat Sampeo. Ont dû être rassemblés à Wat Sampeo. I did not know about that because I was I live far away from the city. Parce que j'habitais loin de la ville. Let me read a small excerpt from je vais vous lire un bref extrait. Someone who gave a statement. De ce qu'a dit quelqu'un. And an excerpt was written yesterday by the prosecution. That is, Mr. President, document E3/5211, Khmer ERN 00221544245, French 00485979, and English 00275399. The question, Mr. Witness, that the investigators ask this person is as follows. Can you clarify what happened to the Lon Nol soldiers after Thatcham made his loudspeaker announcement? And then this witness answers, the morning following Thatcham's announcement, I saw more than 100 of Thatcham's soldiers disarm the Lon Nol soldiers and collect all the military clothing and military materials, and then order those 300 to 400 Lon Nol soldiers to assemble at Wat Sampeo. 2 days later, three or to four trucks of all types came to transport the Lon Nol soldiers away to Opon Mon, Takrim sub-district, Banan district, to have them work the rice fields. End of quote. Does this somehow sound familiar to you, Mr. Witness? The collecting of 300 to 400 soldiers who then had to go work in the rice fields? I did not know about that. Réponse, je ne savais rien de cela. I did not know where they were transported to because I was busy working at that time. Parce que moi j'étais occupée à travailler à ce moment-là. Let me ask it differently. Have you heard stories at the time, or do you know that Lon Nol soldiers, after being disarmed, were sent to work in rice fields or cotton plantations or farms? Those things? Ce genre de choses. I did not know. Réponse, je ne savais pas. Because I just care about how to soul, how to survive my life. Ma propre survie. That's all right. I will move on to the next très bien, dit Maître Pope, set of questions, Mr. Witness. In your WRI, your statement, you refer to a speech of the secretary of the Northwest Zone Committee, Mul Sambat, also known as Runim or Tanim. Do you remember saying something to the investigators about hearing his speech? Avoir dit quelque chose aux enquêteurs au sujet du fait que vous avez entendu son discours. I was instructed to attend the meeting at Sampeu Mountain. On m'a demandé d'assister à la réunion à la montagne de Sampeu. To listen to the speech about the cultivations. Et d'écouter un discours sur la culture. And that's what the speech was about. Voilà sur quoi portait le discours. Do you remember any other details? How long was his speech? Did he say other specific things? What did Tanim look like? À quoi ressemblait Tanim?
I did not know him because I attend the meeting only once and I did not have time to look at his face because I was far from where he was. And there were many people attended the meeting at that time. It was a big meeting and I was at the back among the crowd. I heard only his voice and did not see his face. Do you know any other people who were at the time in the committee of the zone, in the Northwest Zone Committee? Who else was in that position other than Mul Sambat alias Tanning? Do you know anybody else from the zone authorities? What's Gali? I did not know anyone else. They were all in black uniform and I did not know them. And I did not have time to look at them because I was busy. I spent most of my time in the rice fields growing rice. À cultiver le riz. Have you ever heard of someone called Tapet? 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 What Lou? What that girl did? I had not ever heard of the person called Tapai. D'une personne appelée Tapai. Let me read an excerpt from a WRI of another witness. Mr. President, that is E3/5185. Khmer ERN 00197889, excuse me, French 00226162, and English 00274166. The witness is asked the question, did you ever meet Pet, and is he dead or alive? And he answers, Pet had been the sector secretary since 1975, and Pet died after the Vietnamese liberation during approximately 1985 or 1986. I saw Tapet at the Kampung Pui Dam. He came to inspect the work there once a week. Kampung Pui was a work site where people were gathered up from every district of Battambang province, including the evacuees who came to Sector 3. When Tapet came to inspect the work, he met with the people at the Kampung Pui work site and made loudspeaker announcements that, and I quote, we must take a revolutionary stance to strive to work hard both day and night. End of his quote. He spoke for about an hour in those meetings, but I don't remember all of what he said. It was the same thing over and over again. Does that maybe somehow refresh your recollection? Someone speaking at the dam almost every week, someone called Tapet, the sector secretary. Qu'il était secrétaire de la région. I could not recollect it. Je ne m'en souviens pas. I did not know the person known by the name Tapai. Je ne connaissais personne du nom de Tapai. He was also known as Ta Kang Tol. Question, il était également connu sous le nom de Ta Kang Tol. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?
what that occurred. I also never met the name called the person with the name Takantol. Rencontrer de personnes du nom de Takantol. His real name was Heng Teiyu. And he was a high-ranking government member in the People's Republic of Kampuchea government in between 1979 and 1985-86 until he died. He was in the State Council under its president Heng Samrin. So does the name Heng Thief, who was also the vice president of the Trade Union Association at the time, ring a bell to you? Du commerce à l'époque, vous, ou du de syndical à l'époque, vous rappelle quelque chose? I had not known about him and had not Réponse ever heard of his je name. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai jamais entendu son nom. Very well, I'll move on, Mr. Witness. Question. Très bien, je passe à la suite, Monsieur le témoin. I move on now to the events that you described yesterday and this morning. Let me first go to the moment that you said you saw Yoon being arrested and taken away from where you were working. Can you explain to me again how it was that you knew or concluded vous avez conclu that they, that those two people that you saw were in fact Vietnamese? I saw they were tied up and walk away. J'ai vu que on les I did not know about their ethnicity. Je ne savais pas de quelle ethnie ils étaient. Question. I saw them from the distance. Je les ai vus de loin. And I was afraid to ask people about et j'avais the peur incident. De poser des questions aux gens à propos de cet incident. Question. Just to be sure, you did you even know them? Those two people that Mais you pour être certain, saw being que ces taken personnes, away? Vous les connaissiez? Les deux personnes qui ont été emmenées? Les connaissiez-vous seulement? I réponse. I did not know them because je they just arrived pas. In my village. Parce qu'ils venaient d'arriver dans mon village. But they were also hard working at that time. Mais c'était des travailleurs également à l'époque. Ils travaillaient dur. Long to be poor. And we could not walk freely from one battalion to another. Et nous ne pouvions pas circuler so librement d'un bataillon à l'autre à l'époque. Ainsi, restricted nos mouvements étaient extrêmement restreints et limités à l'époque. So we spent most of our time nous passions le plus clair with de notre transplant, temps transplanting à repiquer rice. Le riz. Yesterday and also this morning, I believe, you spoke about Vietnamese families. Hier et ce matin aussi, je crois, vous in, avez parlé de not in your battalion, but in the other battalion. Pas dans votre bataillon, mais dans l'autre bataillon. Did you know any of them personally? Did you know anyone by name? Connaissiez-vous le nom d'un membre de ces familles? No, I did not know non. them by name. Non, je ne connaissais pas leur nom. I never asked about their names. Je n'ai jamais demandé quels étaient leurs noms. Did you ever talk to them, chit-chat with them at one point in time? Discuter avec eux. Réponse. No, I never chit-chatted with them. Je n'ai jamais parlé avec eux. I focused on the work assigned to me during the regime. Sous le régime, moi, je me concentrais sur les tâches qu'on me confiait. Is it incorrect for me to say that you had no idea whether donc, they were Vietnamese or Khmer? Est-il correct plutôt pour moi de dire que vous n'avez finalement aucune idée s'ils étaient vietnamiens ou Khmer? I did not réponse. Know. Je n'en savais rien. Whether they were Vietnamese je ne savais pas s'ils étaient vietnamiens
whether they belong to another ethnicity, ou s'ils avaient une ethnicité venant d'un autre groupe ethnique. Je n'ai pas osé leur demander. Only, mindful of myself. Je m'occupais de time, mes affaires. It was only you who could save yourself and à l'époque, chacun devait sauver sa propre peau. Personne d'autre ne pouvait le faire prendre. Taken away to be killed, si quelqu'un était emmené pour être tué, the end. Eh bien, c'était la fin. Is it then also fair for me to say that, your statement that they might have been Vietnamese, que, quand vous avez dit qu'ils auraient pu is a conclusion and based only upon part, an earlier question asked to you by Takrak, whether there were any Vietnamese in your platoon? À savoir s'il y avait des Vietnamiens dans votre peloton? Réponse. I already testified that there were only Chinese and there were no Vietnamese. That was my response when I was asked by the crowd. In my battalion, there were only Chinese. Dans mon bataillon, il n'y avait que des Chinois. I understand, Mr. Witness, but today and yesterday you spoke about people who were arrested and that might have been executed. Vous avez parlé de gens qui avaient été arrêtés et qui auraient pu être exécutés. You seem to indicate that they might have been Vietnamese. But is it fair for me to say that that is a conclusion and is actually only based upon Takrak's earlier question to you? Une supposition de votre part que vous fondez sur la question que Takrak vous avait posée. The crowd asked me only about the Vietnamese, and to my response to him was that in my unit there were only Chinese and there were no Vietnamese. Fine, Mr. Witness. Now let me go back to what I asked earlier about Tacham being replaced by Cheng, possibly arrested. And I ask you whether it could be that that was in January 1978. Now my question to you is, would you be able to recall how many months Takrak asked this question to you before Cham disappeared? Combien de mois se sont écoulés entre le moment où Takrak vous avait posé la question et la disparition de Cham? Disappeared? Était-ce juste or avant? Did Takrak ask it ou long Takrak time before? Takrak vous a-t-il posé cette question longtemps? The crowd was Réponse. In charge Ta of my battalion. Était responsable de mon bataillon. No. Le président. President, interpreter, please listen to the English channel properly. Veuillez the council does not refer to Cham. L'anglais. But he referred to a person by the name of Cham. Mais plutôt quelqu'un du nom and de here Cham. We are debating about the treatment of the Vietnamese and not the treatment of a Cham. Et pas du traitement des Cham. So please try to understand the question properly. Donc veuillez because the pronunciation by the Defense Council is very similar between Cham and Cham. Ressemble à Cham et Cham. Donc veuillez faire attention. I do apologize for my pronunciation. I do not speak at all about Cham. I always speak about a person. Prononciation, je ne parle pas du tout des Cham. Je parle ici let me repeat my question, Mr. Witness. We have the disappearance of Tacham. Nous avons la disparition de Tacham. We have the question to you of Takrak. Do you know how et much time there was between? Pouvez-vous me dire combien de temps s'est écoulé entre le moment où Takrak vous a posé disappears. Sa question et la disparition de Tacham? Right here.
The time passage was a year. Un an. Between when I was asked by Takroy. C'est écoulé entre le moment où Takroy m'a posé la question et l'autre événement. In fact, the person disappeared en fait, for a year. Personne a disparu pendant un an. Before Takroy asked me about the Vietnamese. Avant que Takroy me pose la question sur les Vietnamiens. Maybe I misunderstood, but let me ask for clarification. J'ai peut-être mal compris. What came first, Tatrak's question to you, la whether there were any Vietnamese, Takrak, au sujet des Vietnamiens, or the disappearance of Tat Cham? Ou la disparition de Tat Cham. What came first? Lequel est venu en premier? Réponse. Was Tacham's disappearance that took place first? Tacham a disparu and en later premier. On, I was asked par la by suite, Takroy. Takroy m'a posé la question. So is it then fair for me to say question. That Takrak's question donc, must have been que la somewhere de in 1978? Assuming Tacham was arrested in January 78? Si l'on tient pour acquis que Tat Chan a été arrêté en, en janvier 78. I don't have anything else to add to what I have just said. Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà dit. Let me try it differently. Poser la question autrement. Mr. Witness, do you recall Monsieur Témoin, that in September, October 77, octobre, there was a massive invasion of Vietnamese troops into une the territory of Democratic Cambodia. Dans le territoire du Cambodge démocratique. I do not recall the year. Réponse. Je ne me souviens pas de l'année. Question. Le terme no, poursuit. I cannot recall the year at non, all. Je ne m'en souviens pas du tout. Vietnam. When Vietnamese liberated Cambodia. L'année où les Vietnamiens ont libéré le Cambodge. I forget about the year. J'ai oublié l'année. One last question, if you allow me, Mr. President, Monsieur before président, the break. Si vous permettez une dernière question avant la pause. Vietnamese troops invaded les soldats Democratic Cambodia massively at least two times. Du Cambodge, one at the end of 1978, une fois à la fin de 1978, when the country was quote unquote liberated, and one time in September, October 1977. Have you heard anything about that? Avez-vous entendu parler de cela? Yes, I heard about that. Oui, j'en ai entendu parler. And I saw they came to liberate us. J'ai vu qu'ils sont venus village. Nous libérer dans les villages. And here I refer to the Vietnamese non, who came to liberate us, but I cannot recall the year as I have just stated. De l'année comme je viens juste de vous le dire. My last question, excuse me, Mr. President, but can you connect Takrak's question to the Vietnamese invasion in time? Pouvez-vous établir un lien quelconque entre la question que vous a posée Takroy et l'invasion des Vietnamiens? Réponse. No. Non. By the time the invasion by the Vietnamese, Takroy had been shot dead. Takroy avait buried, déjà été abattu et and enterré. Tat Cheng was wounded on his hand et Tat and fled avait away. Été blessé à la main et s'était enfui.
At that time, there was an event of a rebellion. Il y a eu une révolte. By the Khmer people. Les Khmer, le peuple Khmer, la population. By the resistant group, and only later on, the Vietnamese arrived. Un groupe de résistance, et c'est par la suite que les Vietnamiens sont arrivés. Le président. President, thank you, Council. Merci, maître. It is now convenient to have a sort of break, and we take a break and return at 10:30. Nous reprendrons à 10h30. Court officer, please assist the witness during the break time at the waiting room reserved for witnesses and civil parties, and invite him back into the courtroom at 10:30. The court is now in suspension des débats. Veuillez vous lever.